Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les gars, ici c'est Jonathan, c'est écrit juste en dessous. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, si tu me découvres maintenant. Et passons directement au sujet de la vidéo. Le syndrome de l'objet brillant. Oh là 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 là, c'est la maladie des entrepreneurs ça. Ça, je peux te dire que je suis tombé mais en plein dedans. J'ai nagé dedans normal, sans problème. Alors c'est quoi la maladie de l'objet brillant? C'est quoi la maladie de l'objet brillant? C'est surtout l'erreur que tu ne dois pas faire. Je fais cette vidéo là uniquement pour te parler de ça. Si jamais tu vois cette vidéo là, s'il te plaît, ne tombe pas dans ce piège là. En fait, le syndrome de l'objet brillant, c'est dès qu'on dit qu'il y a une opportunité, tu sautes dessus. On dit ah ouais, là tu vas devenir millionnaire en faisant ça, hop, tu sautes dessus. Ah, tu vas devenir millionnaire en faisant ça, hop, tu sautes dessus. Ah, tu vas devenir millionnaire dans ça, hop, tu sautes dessus. Donc, le problème avec ça, c'est qu'à chaque fois tu commences un business, ah, le dropshipping, tu peux devenir multimillionnaire, boum, tu sautes dessus. Tu commences à faire un peu tout ça machin, tu vois que ça marche pas direct, t'es vénère, tu dis ah oh, en fait ça marche pas et tout machin. Après on dit ouais, il y a le forex et tout, trading, tout ça, ça c'est un truc de ouf, tu peux devenir millionnaire direct en un an. Boum, tu sautes sur ça, tu vas, tu commences à trader machin, tu commences à t'entraîner, tu perds ton argent, t'es vénère. Tu dis ouais, oh, non, ça marche pas. Après tu dis ok, on dit ouais, ouais, faut créer un business en ligne et tout. Ah, tu peux devenir millionnaire. Boum, tu vas dans le business en ligne, tu commences à faire ton business en ligne là. Tu vois que c'est galère, faut travailler. Ah, t'arrêtes, t'es fatigué et tout machin. Résultat des comptes. Ah non, j'en ai oublié un dernier. Ah, il y a un gars qui vient avec une opportunité du siècle. Ah là là, rentre, tu verras. Là, c'est un produit. On a un produit révolutionnaire. Tu peux venir chez nous, tu verras. Il y a un système binaire qui te permet de pouvoir gagner de l'argent. Il faut que tu fasses rentrer des gens dans ton équipe. Tu verras, ça va déchirer. Tu vas devenir millionnaire direct. J'ai des photos d'ailleurs. Il y a certaines stars qui utilisent déjà nos produits, tout ça, machin. Hop, tu vas rentrer MLM. Oh là là. Première réunion, cousin, tu vas commencer à parler de ton truc, machin. Ça va te saouler, tu vas arrêter. Ok, voilà, pour le coup, tu n'auras peut-être pas eu tort. Donc, c'est quoi le problème par rapport à ça? Le problème par rapport à ça, c'est que on cherche en fait quelque chose de facile. Et c'est pour ça que les gars dans leur marketing, ils vont toujours te dire que c'est facile parce que c'est ce que en général les gens veulent. Les gens, ils veulent de l'argent sans que ça leur prenne du temps et sans que ça leur demande d'efforts. Le truc qui n'existe pas, tu vois. Et mais donc du coup, les gars, ils vont marketer comme ça. Ouais, viens, tout ça, tu vas trader, t'as pas besoin de faire d'efforts, tout ça, machin. Et tu vas gagner énormément d'argent sans sacrifice, sans rien faire. Donc le problème dans ça, c'est que toi, tu vas sauter, saute-mouton là, sur toutes les opportunités qu'il y a. Alors que si jamais tu étais resté focus sur un seul business, eh ben, tout le temps que tu as consacré à sauter partout, à te former un tout petit peu à chaque fois sur chaque business, sur chaque opportunité, eh ben, si tu serais resté focus sur un seul, eh ben, tu aurais pu percer et pouvoir gagner de l'argent. Et donc ça, c'est l'erreur qu'on a tous fait. Je l'ai fait aussi, d'accord. Tous les entrepreneurs avec qui j'ai parlé, généralement, ils l'ont tous fait. D'accord, c'est après. Donc moi, je te le dis pour pas que tu le fasses. Ok, comme ça, tu gagnes du temps, mon ami. Tu gagnes du temps sur les erreurs que nous, on a fait. Donc, s'il te plaît, choisis juste une opportunité. D'accord, elles sont toutes bonnes. Il n'y en a pas une où tu vas gagner plus d'argent, etc. Toutes les opportunités, il y a de l'argent partout. C'est pour ça qu'il faut que tu choisisses quelque chose avec lequel tu es à l'aise. Tu vois, si le dropshipping, tu le sens bien, t'es à l'aise là-dessus parce que t'as pas besoin de faire de vidéos. C'est juste voilà du marketing, prendre un produit, tout ça, un beau branding, tout ça, le vendre, marketer, tout ça. Si jamais t'es à l'aise avec ça, eh ben fais-le. Si jamais c'est du business en ligne, si t'as envie de te mettre faire des vidéos sur YouTube parce que t'aimes bien ça, t'aimes bien être face caméra, fais-le. Si t'aimes pas ça, écris des articles. Si t'aimes pas écrire des articles, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais fais quelque chose qui te passionne, d'accord? C'est pas obligé d'être une passion de ouf, mais il faut quand même que ce soit quelque chose que tu te passionnes, quelque chose où t'es à l'aise, où t'as envie de faire en fait, d'accord? Ça, c'est super important. Mais ne choisis pas un business juste parce qu'on t'a dit qu'on peut faire grave de l'argent. Parce que la vérité, c'est que tu peux faire de l'argent dans toutes les opportunités. Ok? Donc voilà, ça c'était mon conseil pour pas que tu puisses tomber dans ce piège parce que ça va te faire perdre du temps. Et donc l'idée, c'est que je te partage ça pour pas que tu en perdes. Le temps, mon gars, c'est la ressource la plus précieuse que l'on a. Bref, je parle trop. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc toujours, je te coach si jamais tu as une expertise dans tout ce qui est argent, relations,
ou argent, d'accord? Si tu as une expertise dans les trois, d'accord? Donc, relation, c'est quoi? C'est, je sais pas, tu aides les gens, tu as une compétence pour pouvoir aider les gens à trouver leur femme, la femme de leur vie, tu vois, ou tu es thérapeute, tu es coach, tu as une expertise dans l'immobilier, tu es bon en investissement immobilier, en bourse, etc., d'accord? La santé, pareil, tu es coach sportif, tu sais comment faire perdre du poids aux gens, tu sais comment leur faire prendre du muscle. Si jamais tu as une expertise là-dedans, je vais pouvoir te permettre de doubler, voire tripler ton chiffre d'affaires, d'accord? Il suffit juste que tu cliques sous le lien juste en dessous et on aura une session. Je vais te proposer une session offerte, tu vas juste prendre rendez-vous, elle sera offerte, d'accord, tu ne paieras rien du tout. Et je vais te donner la stratégie personnalisée qui va te permettre de passer de 0 à 10 000 euros par mois en 3 mois. Et oui, je sais que ça peut en surprendre certains, mais en tout cas, tu ne prendras aucun risque. Donc, clique sur le lien juste en dessous et nous, on voit ça ensemble. Sinon, les gars, d'ici là, prenez soin de vous et on reste déterminés.